Où en est le repérage en temps réel? Je suis en train de me servir d'un satellite britannique placé juste au-dessus. Rappel amical, la fin de semaine approche, il faudra que tu me remettes tes clés de décryptage et tes codes avant ton départ. Bien sûr, je m'en souviendrai. Oh, Mariana. Qu'est-ce qui se passe? À ce qu'il paraît, un suspect très recherché se trouve à Londres. Il y a un lien avec la visite du président? C'est ce qu'on suppose, en tout cas. Messieurs, c'est à vous. C'est lui, Jack Bauer. Il a mis Miller KO, il l'a désarmé. Armstrong, Cutler, il vient vers vous. Vers le toit, c'est sa meilleure issue. Cible en mouvement, il se dirige vers l'extérieur. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Kate, s'il vous plaît.
Ces événements se déroulent entre 11h06 et midi. Ils sont rapportés en temps réel. Le Premier ministre fait pression pour que le Parlement aille dans ce sens, mais il est difficile de prévoir l'issue du vote. Le public a du mal avec cette idée. Pour lui, le recours à des drones équivaut à un assassinat à distance. Monsieur le Président. Je me disais que je comprenais leur position. L'usage des drones me met tout autant mal à l'aise. Mais il faut bien reconnaître que cette pratique donne des résultats. Dans le pire des cas, si nous en arriverons à perdre cette base, aurons-nous une solution de rechange? Aucun autre pays de la région n'est prêt à accueillir une base militaire américaine. En partie parce que les Chinois répètent à qui veulent entendre qu'ils ne veulent pas de nous ici. Et eux n'hésitent pas à se déployer en attendant. Pékin a reconnu avoir envoyé une flotte aéronavale en mer Méditerranée. Ce qui est tout à fait inédit dans l'histoire. Il est clair qu'ils comptent inciter les Britanniques à nous jeter dehors. Ça a été qualifié de visite de l'amitié par la marine chinoise. Ils se sont inspirés de Franklin Roosevelt. Pardon ? Franklin Roosevelt a envoyé la grande flotte blanche sillonner le monde en 1907. Il avait appelé ça la visite de la bonne volonté. C'était pareil, ce n'était rien d'autre qu'une démonstration de force. Il faut que je termine mon discours, ce sera tout, je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Je vous retrouve en bas. Monsieur le Président, c'était Theodore Roosevelt. Qui ça? Vous avez dit que Franklin Roosevelt avait envoyé la grande flotte blanche. En fait, c'était Teddy. Merci, Marc. Quand vous aurez démissionné, vous serez sûrement très bon à qui veut gagner des millions. Ne vous en faites pas pour moi, Marc. C'est un ordre. Entendu. Oui, un instant, je vous prie. Vous avez un appel. Le chef de l'antenne londonienne de la CIA. Il vous a dit à quel sujet ? Non. Ici Marc Boudreau. Steve Navarro, monsieur. Nos équipes viennent d'appréhender un suspect qui fait l'objet de multiples mandats de recherche. Vous étiez la personne à contacter en priorité. Qui est-ce ? Jack Bauer. Vous en êtes sûr ? Sûr et certain. Où a-t-il été arrêté ? Dans une usine abandonnée à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Londres. Ça ne peut pas être une coïncidence. Nous sommes bien d'accord. Jack Bauer est un traître et un psychopathe qui a assassiné deux diplomates russes et qui est passé à deux doigts d'assassiner leur président. Et voilà qu'au bout de toutes ces années, il refait surface ici à Londres en même temps que le président Heller. Nous devons envisager la possibilité qu'il est là en vue de s'attaquer au président et qu'il dispose probablement de complicité. Je vais l'interroger incessamment et me faire une idée. Nous n'aurons pas le temps nécessaire pour ça. En revanche, je crois savoir que vous avez dans vos locaux des agents des services spéciaux. Ils ont une unité dans nos locaux, en effet, mais ils opèrent sous une charte différente. On ne partage ni informations, ni prisonniers. Puis-je officiellement demander le transfert du suspect au sein de cette unité? Si vous le souhaitez. Parfait, je mets ça en route. Envoyez-moi un dossier complet sur Bauer et surtout faites en sorte que sa présence ici ne soit connue de personne. Merci. C'est valable pour nous aussi. Son retour doit rester secret. C'est clair? Secret même pour le président, monsieur. Aucune exception. Ça va, Kate? Félicitations pour l'arrestation de Bauer, c'est une belle victoire. Je regrette que vous nous quittiez. Ce n'est pas juste et ce n'est pas votre faute. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé par le toit? Quoi? Bauer aurait pu filer par le toit pendant que nos hommes entraient. À partir de là, il aurait pu passer par l'un des bâtiments voisins et s'enfuir sans problème. Je ne trouve pas son attitude très logique. Il n'avait peut-être pas prévu de solution de repli. Bauer a réussi à échapper à tout le monde durant 4 ans. On ne peut pas dire qu'il soit négligent. Il a sûrement un plan. Thank you.
bonjour. C'est toi qui le dis. Le commandant Shepard veut que tu l'appelles hélico. Il a vu la Furax. Que je l'appelle pourquoi? Il l'a pas dit. Altitude du drone, 19 000 pieds, 89. Bonne chance, Hyde Shepard. Merci. Excusez-moi. Commandant, ici le lieutenant Tanner. Votre mission était de me couvrir quand j'escortais les Britanniques à leur unité. Oui, monsieur. Vous n'avez pas prévenu leur commandement aérien. Ce n'était pas précisé dans vos... Je n'avais aucun besoin de le préciser. Alors, demandez-leur l'autorisation. Tout de suite. Encore un manquement à vos obligations. Vous êtes consigné à la base jusqu'à nouvel ordre. Monsieur, j'ai une permission pour le week-end, ma femme et moi. Votre permission est annulée. Connard. Envoyez le dossier au chef de cabinet et installez Bauer en salle d'interrogatoire. Mais je croyais que les services spéciaux allaient se charger de lui. Je veux voir ce que j'arrive à tirer de lui avant son transfert et avant que ces types lui fassent subir quoi que ce soit. Entendu. Les deux en salle d'interrogatoire. À vos ordres. Belle prise, Eric. Merci. J'aimerais jeter un coup d'œil au tuyau qu'on a eu à Prague, celui qui nous a permis de localiser Bauer. Pourquoi? Comme ça, je veux seulement m'assurer qu'on ne rate rien. Genre comme quand tu pensais qu'il se tirerait par le toit. Alors que non. Simplement jeter un coup d'œil, j'en ai pas pour longtemps. T'as plus d'autorisation d'accès. Regarde. Monsieur? Oui. Juste pour vous signaler que Kate cherche des infos sur l'opération Bauer. Elle voulait voir le rapport qui nous a mis sur sa trace. Vraiment? Ouais, mais je lui ai rien montré du tout. Je voulais seulement que vous soyez au courant. Et c'est bien ça, elle va être transférée au siège central. Elle part toujours à la fin de la semaine et vous êtes toujours en lice pour prendre son job. C'était pas ce que je demandais. Oh si. Et au lieu de la pousser vers la sortie comme vous le faites, vous devriez apprendre d'elle. C'était une excellente agent de terrain. Merci. Sauf votre respect, on a du mal à le croire. Je veux dire, vu ce qui s'est passé. Pour un nouveau venu, je trouve que vous avez beaucoup d'opinions bien arrêtées. Je dis les choses telles qu'elles sont. Son propre mari vendait des secrets aux Chinois. Et elle, elle a rien vu. Elle sait tout ça mieux que personne, alors lâchez-lui la grappe jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il n'y en a que pour quelques jours, vous tiendrez bien jusque-là, non? Ça va? Rien à foutre, Derek. Je t'ai sorti l'info que tu voulais, mais avant, il faut que je te dise quelque chose. T'as bossé toute ta vie pour en arriver là. Et laisse surtout pas faire ça, tu dois contester ce transfert. Je me suis déjà battue, enfermée dans une pièce alors qu'il m'accusait d'être complice de ce qu'Adam avait fait. Mais on t'a innocenté. T'as largement mérité d'être ici. Tu crois, Jordan? Parce que l'histoire d'Adam a prouvé le contraire. Ouais. Tiens. Tu y as jeté un coup d'œil? Je te l'ai apporté direct.
Regarde le message de la police de Prague à propos de Bauer. Tu vois l'entête? Ouais. L'ouvre d'attache ne correspond pas au reste des événements. Ça veut dire que le tuyau pouvait pas venir de Prague. Il a été bidonné. Exact. Ce qu'il faut savoir, c'est bidonné par qui. Va falloir faire vite. Bauer va être transféré aux services spéciaux. Une fois qu'ils l'auront pris en charge, ce sera cuit. Vous avez pu établir un tracé de référence? Je crois qu'il n'est pas très fiable. La linéarité de son tracé n'a rien de naturel. Son pouls et sa température sont complètement stables. On va essayer de le secouer un peu. Steve Navarro, directeur de cette antenne. Vous avez suffisamment été de mon côté de la table. Je connais un certain nombre de personnes qui vont s'assurer que vous répondiez des crimes que vous avez commis il y a 4 ans. Moi, tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est savoir si vous êtes à Londres pour nuire au président Heller. Et il n'y a pas que moi que ça intéresse. J'attends l'ordre de vous transférer aux services spéciaux qui vont se faire un devoir de vous interroger à leur façon. Je pense que vous savez mieux que personne ce qu'on va vous faire là-bas. Jack, je sais combien de vies vous avez sauvées. Je sais à quel point le pays vous est redevable. Mais tout ce qu'ils verront, c'est un homme qui a craqué. Qui a décidé de se venger à tout prix, de tuer et de torturer sans aucun scrupule vis-à-vis de la loi ou de la morale. Un homme catalogué par son pays comme étant un criminel. Un terroriste. Alors, je crois que répondre aux questions que je vais vous poser... c'est votre meilleure option. Dites-moi ce que vous faites à Londres et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que les services spéciaux vous mettent le grappin dessus. Allez, monsieur Bauer. Dites-moi pourquoi vous êtes à Londres. On va vous transférer un certain Jack Bauer. Voilà son dossier. De votre groupe, O'Brien. Allez vous faire foutre! Oui, chérie. Je suis presque prête. Est-ce que ma boîte à bijoux est par là? Oui. Elle est là. Waouh. Je lis dans mes pensées. Peut-être que tu ne devrais pas aller à cette réception. Pourquoi? Vu l'allure que tu as, personne ne va prêter attention aux politiciens qui y seront. Non, les gens seront bien trop distraits par ta cravate. Ma cravate? Oui. Faudrait peut-être y aller. Ton père est sans doute déjà en bas en train de nous attendre. Comment va-t-il? Il va bien. Il a dit une bêtise à la réunion, à ce qui paraît. N'importe qui aurait fait la même erreur. Les médecins disent que les symptômes n'apparaîtront pas avant 1 an. Oui, et ils disent aussi qu'un trop grand stress peut aggraver son état. Il a une bien plus grande résistance au stress que n'importe qui. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, d'accord? D'accord. Entrez. J'ai des nouvelles au sujet de Bauer.
Bonjour, Madame Boudreau. Votre voiture vous attend. Merci, Ron. On se retrouve en bas ? Très bien, j'y serai. Désolé. Allez-y, je vous écoute. L'ordre, le transfert a été donné. Bauer sera bientôt avec les services spéciaux. Je pense surtout à ce qui se passera ensuite, une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils veulent de Bauer. J'imagine qu'ils comparaîtront en justice. Ce n'est peut-être pas ce dont le pays a le plus besoin. Il y a une alternative ? Il pourrait disparaître. Les Russes veulent sa tête depuis qu'il a tué plusieurs d'entre eux. J'aimerais que vous examiniez la possibilité de le leur remettre, sans que ce soit officiel. Le président devrait être mis au courant. Non. Le président a beaucoup d'autres préoccupations en tête. Vous n'étiez pas encore là. Vous ignorez ce que Bauer a fait à cette famille, ce qu'il a fait à Outre. Elle était sans énergie, incapable de réagir. Elle a eu le droit à des soins psychiatriques. Elle n'était pas censée s'en remettre. Je n'en avais aucune idée. J'ai lutté à ses côtés durant 3 ans. Je lui ai tenu la main, je lui ai donné de l'amour, et elle s'en est remise. Aussi longtemps qu'elle vivra, elle ne doit jamais entendre le nom de Jack Bauer. Entendu. Alors, donnez-moi ce que j'attends. Jack, je peux vous appeler Jack. Vous allez rapidement être à court de solutions. L'ordre de transfert arrivera dans quelques minutes. Après ça, je ne pourrai rien pour vous. Ou alors, je peux faire en sorte qu'on vous laisse revoir votre fille. Vous saviez que Kim avait eu un autre enfant ? Un petit garçon. Du nouveau, sur l'arrestation de Bauer ? En fait, oui. Le tuyau est parti d'un cybercafé du coin, de l'autre côté de la ville. J'ai vérifié s'ils avaient des caméras de surveillance. J'ai que dalle là-dessus, mais regarde, là. Le café, tu vois où il est ? C'est tout près de l'endroit où on l'a arrêté. L'auteur du tuyau connaissait nos protocoles de com' et savait où Bauer se planquait. Ça limite les candidats. Ça les réduit même à une personne. Et si le message avait été envoyé par Bauer lui-même ? Pourquoi balancer un tuyau qui va te faire plonger ? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Tu vas où ? Je vais mettre Navarro au courant. Qu'est-ce que vous voulez ? Désolé, c'est urgent. Il faut que je vous parle. J'espère que ça vaut le coup. Le tuyau qui nous a permis de localiser Bauer ne venait pas de la police de Prague. Moins vite. Comment êtes-vous au courant pour ce tuyau ? Il était bidon. L'info a été envoyée de l'endroit où on a capturé Bauer. En fait, je pense que c'est lui-même qui l'a envoyé. Vous voulez dire que Bauer aurait voulu qu'on l'attrape ? Ce qui expliquerait qu'il n'est pas filé par le toit pendant l'opération. Il ne voulait pas du tout s'enfuir. Au contraire, il voulait se faire arrêter. Cette info aurait pu émaner de n'importe qui voulant faire arrêter Bauer. En tout cas, il faut lui poser la question et peut-être qu'il finira par parler. Pardon, monsieur. L'ordre de transfert. C'est trop tard, Kate. C'est aux services spéciaux de s'en charger. Vous n'allez quand même pas renoncer. Faites venir Eric. Je veux que ce soit lui qui supervise le transfert. Très bien. Kate ! Merde ! Ouvrez cette porte ! Ce soi-disant tuyau de Prague, c'était vous, c'est bien ça ? Vous vous êtes arrangé pour qu'on vous capture. Vous vouliez vous retrouver ici et chercher quelque chose de précis. Ou vous cherchez peut-être quelqu'un. C'est une personne, c'est ça ? Vous cherchez qui ? Vous cherchez qui ? De qui s'agit-il ? Kate ! Kate ! Sortez d'ici immédiatement. Son tracé est plat durant toute la séance, mais dès que je lui évoque le fait qu'il ait voulu se faire prendre, il commence à bouger. Sortez maintenant. C'est une réaction qui prouve que je tiens bien une preuve. Kate !
Bauer est ici pour une raison bien précise. Il faut qu'on la découvre et qu'on arrive à savoir ce qu'il prépare. Il ne s'agit pas de Bauer, il s'agit plutôt d'Adam. Adam ? Votre mari vous a trahi en plus d'avoir trahi son pays et vous reportez la frustration sur Bauer. Ça n'a absolument aucun rapport. Je comprends ce que vous ressentez. Adam était mon ami, il m'a trahi aussi. Vous me psychanalysez au lieu d'écouter ce que j'ai à vous dire ? Kate ! Laissez tomber. Si Bauer se retrouve aux services spéciaux, vous pouvez être certain que ça faisait partie de son plan. Je vais vous dire. Oubliez la fin de la semaine. Vous partez maintenant. Faites-la sortir. À vos ordres. Je vous enverrai vos effets personnels plus tard. Si vous ne tenez pas compte de ce que je dis, vous mettez toute cette antenne en grand danger. Bauer est un criminel extrêmement violent. Kate, j'essaye de vous aider de tout mon cœur. Je fais ça dans votre intérêt. J'ai entendu dire que Navarro t'avait fait raccompagner dehors. Écoute, il faut que tu découvres si quelqu'un dans ce bâtiment a eu des antécédents avec Jack Bauer, parmi le personnel, les détenus, n'importe qui. Ok, je vérifie. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Ouais, merci. J'étudiais toutes vos missions quand j'étais à l'entraînement. Vous étiez vraiment quelqu'un, Bauer. Je veux dire, à l'époque... Dean, c'est moi. J'arrive. L'alarme et je t'explose la tête. Maintenant, tu peux ouvrir. C'est toi qui lui as fait ça. C'est ce que vous auriez fait, rien de plus. Chloé, réveille-toi. Merde, c'est pas vrai. Doucement, ça va aller. Ça va aller, tu vois. Jack, qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on se tire d'ici. T'avais raison.
satisfaisant pour Bauer. Il a bien un lien avec quelqu'un qui est détenu par les services spéciaux. Ne me demande pas comment je suis rentré dans le système. Qui est-ce ? Chloé O'Brien, une hackeuse branchée Liberté d'information. Je t'envoie ça sur ton téléphone. Elle est à l'origine de la divulgation de plus de 10 000 dossiers classés secret défense. Elle est accusée de trahison. Elle a travaillé avec Bauer à la cellule antiterroriste durant des années. Elle a fait de la prison pour l'avoir aidé à s'échapper du pays. C'est pas vrai, le fils de pute. Il est venu la libérer. Eric. Eric et Brandon sont à terre, mais vivants. Il faut que tu amorces un confinement de niveau 5. C'est sous mon autorité. Tu n'as aucune autorité. Fais ce que je te dis, Jordan. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on se retrouve en confinement ? Bauer tente de s'évader. Kate est sur place. Kate ? Mettez les mains derrière la tête. J'ai dit mettez les mains derrière la tête. Je vous donne 5 secondes. À genoux, sinon je tire. Où est O'Brien ? J'adore cette ville. On y sent la présence de l'histoire. Oh, je connais ce regard. Ça ne va pas, dis-moi. La petite erreur que tu as commise, à ta réunion. Marc a dit que ce n'était rien. Que je n'avais pas à m'inquiéter. Ça progresse beaucoup plus vite que ce que les médecins avaient dit au départ. C'est effrayant de se dire qu'on perd doucement le contrôle de soi. Pas uniquement la mémoire, le contrôle de tout. Qu'est-ce que tu veux faire ?
Pour l'instant, je veux boucler cette histoire de traité avec les Britanniques. D'accord. Ne dis rien à Mark. Le moment venu, je lui parlerai. Venez, venez vous asseoir. Les protocoles de récupération sont lancés. Il faudra encore 20 minutes avant de pouvoir accéder aux vidéosurveillances routières et localiser Bauer. Tenez-moi au courant dès que ce sera fait. Entendu. On établit un périmètre de recherche en faisant appel à tous les agents qui ne sont pas au service. Vous ne le trouverez pas. On ratisse tout sur un kilomètre à la ronde. Merci pour la confiance. Il a tout planifié. Il connaît tous nos protocoles. Il connaît cet endroit par cœur. Il sait même que les services spéciaux gardent confidentielle l'identité de leurs prisonniers. Tu veux qu'on abandonne? C'est ça ton plan? Je veux tout ce que les services spéciaux savent sur O'Brien. On liste toutes ses connaissances. On se renseigne sur tous les endroits où elle pourrait se réfugier. Y a pas de honte, Kate. Si tu l'as oublié, tu ne fais plus partie de cette antenne. Je peux vous parler seule, s'il vous plaît? Monsieur. Assurez-vous que les pompiers et la police suivent nos protocoles de sécurité. S'ils vous posent un problème, rappelez-leur que nous avons un statut consulaire. Monsieur, faites ce que je vous dis. Regardez ce que Jack a fait et en combien de temps. Il faut absolument qu'on le retrouve. Laissez-moi faire, remettez-moi sur le terrain. Écoutez, Kate, ici, on évalue mes moindres faits et gestes. C'est clair? Déjà que le chef de cabinet du président ne me lâche pas une seconde sur Bauer. Je suis votre meilleure chance de le récupérer. Écoutez, c'est vrai, Adam était un traître et je n'ai pas su m'en rendre compte. Mais je suis la seule à avoir anticipé ce qui nous arrive là. Je suis entrée dans sa tête, moi et personne d'autre, ni Eric, ni même vous. Et si le chef de cabinet est sur votre dos, imaginez ce que ce sera quand il saura que vous aviez des infos solides et que vous n'en avez pas tenu compte. Êtes-vous en train de me menacer? Je suis capable de le faire, je peux trouver Bauer. Faites-moi confiance, c'est tout ce que je vous demande. Arrête-toi au bout de cette rue. Chloé, Chloé, regarde-moi. Ça va aller? Oui. Parce qu'on doit faire vite. Prends ce portable, il sera sécurisé encore pendant une heure. Ils vont se concentrer sur moi, donc on doit se séparer. Tu connais un endroit sûr où aller? Chloé, est-ce que tu connais un endroit sûr où aller? Je crois que oui. Très bien. Je te contacterai sur ce téléphone dès que je serai en lieu sûr. Il faut qu'on y aille. T'es prête? Alors viens. T'as un signal de l'émetteur qu'on a mis dans son téléphone? Oui, j'en ai un. Je continue à croire que tu aurais dû lui demander un coup de main. Je pouvais pas courir le risque qu'elle refuse. Je croyais que vous étiez amis, toi et elle. J'ai aucun ami, Belzec. Vas-y, roule. Delta 11-3, Angel 5, on se quitte. Mission accomplie. Décrochage sur mission suivante. Cap au sud. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non! Shepard. Mon commandant, votre véhicule est pris pour cible. Vous devez vous éloigner. Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? Qui nous prend pour cible? Quelqu'un a pris le contrôle de mon drone. Le missile est paré à lancer. Quoi? Je ne comprends pas non plus, commandant. Mettez-vous à couvert de toute urgence. Mettez-vous à couvert, commandant! Dépêchez-vous! À couvert! Non! Non! Thank you.
On a eu des pertes. Par ici. Venez, venez. Allez, allez, aidez-moi. Allez, par d'autre côté. C'est fait.